Cette année, en année électorale, ce sont ces magistrats qui viennent toujours la pression pour dire qu'il faut que d'abord on sécurise le personnel, les magistrats et son personnel, il faut les sécuriser, il faut les affecter beaucoup des militaires et des cadres pour qu'on puisse les sécuriser à tous les secours aussi bien pour le milieu de travail. Ensuite, sécuriser les institutions qu'on appelle la justice. Ils ont demandé ça. Ensuite, ils ont demandé une augmentation salariale. Qu'ils détendent la justice. Qu'ils ont demandé ça. Ils ont demandé ça. Aujourd'hui, il est dans une situation difficile. Ensuite, ils disent qu'il faut qu'ils aient l'indice 3500 ou rien. Donc, pour votre information, l'Assemblée nationale, à travers sa commission des lois constitutionnelles, la secrétaire a reçu des syndicats, les représentants de ces syndicats, pour les auditionner par rapport à la situation. Effectivement, c'est donc directement qui va passer. Nous l'avons dit, imaginez, vous êtes magistrat aujourd'hui. 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans après le bac. Mais dans d'autres secteurs, vous avez des correspondants qui ont fait le même système, qui ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire qui ont les mêmes formations. Si par exemple, ils sont dans un pays où les syndicats se copient, si une fois que vous venez de faire ça à ce syndicat, automatiquement, de l'autre côté, on va réclamer. Donc, vraiment, atteignez vos revendications. Nous sommes en année électorale et surtout l'élection présidentielle de Mme Bila a été financée totalement par l'État malien. Il n'y a pas de convaincre des partenaires syriens. C'est le budget national qui l'a financé. Donc on les a fait comprendre. Jusqu'à ce que le président est obligé de monter sur ces chemins pour dire maintenant arrêtez, on va convoquer une conférence sociale en janvier. Et là, vous serez prioritairement pris en compte. Voilà ce qui se passe au niveau des magistrats. Et heureusement, la grève a pris fin et ils sont en train de bien travailler. Madame la Présidente, par rapport au propos des Nations Unies, nous ne sommes pas d'accord avec lui. On n'a pas tenu des propos dans une assemblée, dans un parlement. Dire que vous mentez. Moi, je suis dans un pays où on ne dit jamais que tu as menti. On peut dire que tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Mais qui nous dit à Mandy, c'est un enfant. Il faut lui demander de réduire le monde. En tout cas, nous, Mandy, dans le Sahel, on ne dit jamais à quelqu'un sur le Sahel qui a Mandy. Je veux dire, ah, je ne suis pas d'accord avec toi, ou bien, tu ne dis pas la paix, c'est le maximum. Tu ne dis pas la paix, c'est le maximum. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Ensuite, par rapport au cas malien, historiquement, et l'évolution des choses, il a été l'un des députés qui maîtrise la situation de Mali, qui a soutenu les différents rapports. Si aujourd'hui pas de puissance, de puissance qui joue au Congo, ou de puissance qui est mais ça a été dit dans plusieurs rapports de Mali, pour ça, ça a dépassé la crise libyenne. Il a connu quelque chose. Le Mali n'est pas été au de la Libye, le Congo a certainement sauvé jusqu'au Mali. Peut-être qu'il a traversé une partie du Niger. Et lui, je me rappelle une fois, il a soutenu l'idée que le Mali n'est pas un peu frotté à la Libye et il ne se comprend pas pourquoi cette puissance traverse le Mali. Il a soutenu ici, dans un de nos rapports. Donc c'est pour dire que, chers collègues, les rapports sont distribués à chacun d'entre nous. Chacun doit les conserver. Et lorsque nous venons pour les sciences, on dit, ah, au Mali, on n'a pas de pression, de félicitations. Quelle est l'évolution? Nous évoluons parce que nous avons signé un accord pour la félicitation. C'est la mise en œuvre qu'on préoccupe aujourd'hui. Les agendas de puissance, la géopolitique sur le monde, nous n'en avons pas sans cesse, c'est une réalité. C'est une réalité, on le sait. Et nous, on en a débloqué dans notre rapport, on ne reviendra pas sur ça. Aujourd'hui, comment mettre en œuvre le pacte qui vient d'être par le Nations Unies de Mali? C'est ça qui nous préoccupe. Comment insérer, comment désarmer? C'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, madame la présidente. Ensuite, l'organe compétent pour les élections, quelqu'un a posé la question, pour proclamer les résultats, c'est la même chose que le ministre de l'administration territoriale proclame les résultats provisoires qui ouvrent aux condamnés
Ella está metida por la fuerza. De fuerza, se está metiendo por la fuerza. Que les examen de fuerza, al decir de la clase de fundación, y la fuerza por plan de estar oficial. Esa es. Como han dicho, ya hay una decisión que está de la fuerza. Esa es la Comisión Nacional de la Fuerza, que dividió por la para que nace el ministerio de la Fuerza. Mali Koulibaly, et ceux qui suivent la gestion au Mali, c'est qui est ce Mali Koulibaly. Donc c'est cela qui dit tout, la fonction de la France. On n'a pas parlé beaucoup sur ça, sinon nous avons des rapports et il est disposé. Vous savez, par rapport au taux de participation, quelqu'un a parlé de ça. Et je reviens à la question de Nassou. Le Par rapport à la prolongation des mandats, c'est vrai, cette prolongation des mandats est venue à l'issue de saisine de l'Assemblée nationale. Mais comment cette saisine est arrivée? Tous les acteurs, c'est-à-dire que dans le rapport, on a évoqué deux problèmes essentiels, celle qui porte au niveau de l'État. Le fait que dans l'histoire, et la réunion de l'Assemblée des Nations Unies. Seul au Soudan Sud, les Nations Unies ont adopté une résolution spéciale sur le Mali. Et ils avaient fait au temps du Soudan, lorsque le Soudan s'est éteint. Et là, cette résolution aujourd'hui préoccupe le Mali. Parce qu'ils disent qu'au bout de 6 mois, si on n'arrive pas à appliquer l'accord, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le droit international public qui va s'appliquer et c'est les Nations Unies qui veulent à la place de l'État malien. Et là, on ne sait pas. Nassour l'a dit, les gens de l'État, ceux qui veulent, peut-être, parce que c'est eux qui veulent le public international, c'est eux qui l'appliquent à l'église, le gouvernement de l'Union européenne aujourd'hui, et vous ne pouvez pas faire ça. Ensuite, ici,